Second épisode dans le mode survie. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la map immobilier de luxe, direction Sainte-Église, Sainte-Mère-l'Église, pardon, avec l'opération Fallen Able. Alors, contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, on va se mettre en full sans silencieux. Vaut mieux qu'on tape fort rapidement. Également, on a pu débloquer les deuxièmes. Deuxième série de balles particulière. Roquette, s'il y a du véhicule. They ain't all dead yet. Bien dégagé ici. Tiens, tiens, tiens. Par contre, attention parce que les vont rapidement savoir où on est. Sorti nulle part. Hein. Faisons le plein, piégeon. Coucou qui se sent approcher le plus près de nous. Si je les retrouve. Merde. Bon, toi, une fois qu'on les a piégés, on peut plus leur voler leur contenu. More of them incoming. Get to cover. Sniper, là j'ai cru avoir une petite. Ok. Belle série hein. Il y en a un qui est derrière encore. J'ai envie de rester mort lui.
aurait pu sacrément nous surprendre avec son lance-patate. Hein. Et les camions qui arrivent comme ça, si on arrive à les taper avant qu'ils délivrent tous leurs hommes, c'est vraiment top. Là, il y a une dizaine de Gugus qu'on a. Non seulement on les a battus assez rapidement, mais en plus, on n'a pas eu à les contrôler une fois qu'ils nous entourent. Là où jouer sur un écran extra large, c'est un plus non négligeable. Je les vois pas, c'est un peu mauvais. On va se cacher. C'est bien parce que en reculant d'un pas, là j'ai pu me protéger de ceux qui venaient de la droite. Il en reste un. Commandement et attaquer. Dans le mur, à la caméra à l'épaule, pas très bien dans le mur. Enfin si, pour tout mettre à côté. Elle donne de la perspective pour voir des fois ce qu'elle sort un peu sur les côtés, mais passer en FPS pour allez regarde ce que tu fais ça c'est la même IA que dans The Division le mec il reste caché tout le temps et par contre dès qu'on est dans une position de faiblesse il nous rush comme comme des porcs. Alors attention il y a un sniper et un char ces derniers de cette vague. Putain mais... Alors que le mec il savait avant moi que j'allais être prêt à tirer. Les snipers sont un peu cheatés je trouve. Bon, on a ce qu'il faut hein, pour les gérer. Là. Bravo! Là aussi, hein, il a bien anticipé son petit tir. Hein. Non mais, hey, alors. Je veux bien, je suis derrière la maison quand même. Alors, est-ce que ça va être suffisant ou... Ça me reste des balles.
Ah, c'est lunaire. Le mec, je sais pas comment il peut savoir que je suis ici pour tirer à côté et jouer du ricochet. J'ai l'impression que l'IA est un peu... Il l'aide un peu avec des trucs qu'il devrait pas voir. C'est pas grave, on va faire avec. Pas avoir vu de... Ok, intéressant. Putain, il veut pas crever. Mauvaise stratégie, j'aurais mieux fait de le lui coller un pain d'explosif dans le cul et de l'attaquer au bazooka derrière. Je pensais que ça serait suffisant et que mes balles feraient la cloche, mais pas du tout, pas du tout, du tout. Je peux aussi l'avoir à la grenade. Bah quand même hein. Ouais, très mal géré là le char, j'avoue. Ça nous aura coûté cher. C'est une immense patate. Alors, un point un peu en hauteur, peut-être là-haut. Sur sniper. Là, je crois. Il y a du monde qui arrête pas. On se la lame. Toujours le bon angle hein, pour nous prendre à revers.
qui a mis le pied sur ma mine. C'était plutôt une vague guerrière là. J'ai besoin de libérer ma frustration après les déboires sur le char. On va placer notre qui est très bien placé. Find some cover, bastards ain't done with us yet. Ça valait le coup. Ah. Oh, ça valait. Sur ça. Arrête de tirer à côté, Fred. Soit mort. Désolé. J'ai un bleed. Est-ce que c'est le sniper qui a réussi à me taper de loin? On a le camp de base. Les lances, il allait sortir le lance-patate. Prendre un revers. Je vais baisser un peu. Ah, mon camp de base. Marrant, hein. Je vois personne et dans deux secondes, il va y en avoir 15 au même endroit. Chef, ça galope, hein. Ça galope. Dans le genou, comme ça il court moins vite. Hein. Ta tête. Alors il en reste 3.
je l'avais pas tapé le sniper. Je sais plus, je me souviens que c'était au début. C'est quasiment le même endroit. Dommage qu'il n'y ait pas une compétence pour fouiller plus vite, ça aurait été sympa ça. Enemy hostiles inbound. Derrière. Let's keep it that way. Il y a le char qui peut nous viser, il faut vraiment qu'on... Je me méfie. Il n'y a pas que le char. Hein. Bon, le char. Alors, putain, on fait le plein. On dit le Shrek. Hop. On a une revanche à prendre. On fait quand même qu'on sait. C'est quelle partie qui nous montre là, c'est son derrière. Ici déplacé. Ici loin, par contre j'ai l'impression qu'il monte son cul mais il ouais.
casse-pied. Ouais, où je pense que la première roquette, faut taper derrière, taper dans les chenilles, même si ça va l'arrêter. Ça le fragilise pas assez. Allez, troisième point à prendre. Enemy incoming. Find some cover. Get ready. J'aime bien les voir arriver. Un mec pas mort qui... Ouh, alors là... Ça, c'est un bouchon. Oh, oh, flinqueur en plus. Fallait anticiper son mouvement, tirer un mec devant. Il y a un con au sol là qui... alors qu'il est... Il est out. J'avais étage. Attention. Ça commence à arriver un peu partout là et je tue plus personne, c'est pas bon. Attention, lui il est... Un très bon début là, on fait de la merde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Pas être nombreux hein, au camp de base là. You're capturing a command post. Nazis are taking a command post. Nazis are capturing a command post. We're losing a command post to the Nazis. Thank you.
Oh, il est où le dernier là? On va en profiter pour piéger quelque part. Dans l'eau. Revenons au point de base. Ça avait bien démarré, puis il y a eu un moment de flottement. Ça commence. Je me soigne. Ça commence mal, hein. Qui a été touché, donc la moto va peut-être continuer encore. C'est calme de ce côté-là. On va aller voir ici. Ça remue, ouais, ça remue. Des fois, je fais exprès de tirer rapidement. Ça peut aller toucher parce que c'est les arêtes là. Facile. Écoutez. Bon, la lavande c'est joli, mais ça cache un peu trop les ennemis. C'est pas un sniper là-haut. Ouais, c'est un... Chaque fois, je crois que. Ça va me protéger et en fait non, ça me protège pas. Forcément, on va en profiter pour se rapprocher. C'est bien, là on est efficace. Rival, six types. Oh, il est haut. Pas nécessaire. Les chefs. C'est une moto. Ça se rapproche. Carrément explosé la moto, j'ai pas suivi. J'ai vu de la veine, j'ai tapé le réservoir.
pour piéger tout ce petit monde. Ils sont généreux souvent en bandage, hein, les chefs. C'est pas rare que j'en voie pas deux tomber. Ouais, bandage max. Ils ont tout prévu. Tout prévu, on les tue, on les piège. Arrêter net. C'est bon. Petit pont était neutralisé. Ah, attention. Ça va de ce côté-là. C'est une Jeep. Ouais, ça avance très très vite là. Moyen de faire quelque chose quand même. Oh merde. Réussi à me tirer dessus. Ah oui. Forcément, si vous passez au même endroit à chaque fois, ça va vous. T'as un lance-roquette en dessous, mon pote. Autant que... Merde, lui va me... Merde, c'est en train de rentrer par la droite. Une sortie, hein. Putain d'arme. J'ai pas encore trouvé mon grand amour, hein, en arme secondaire. Putain. Ça donnait l'impression qu'il sautait. Euh...
reste notre blindé. Des lance-roquettes, j'en ai vu de l'autre côté. Là-haut. Mais briller, je croyais que c'était un. Bien chaque élan. Ce n'en est pas un. Mais quelle idée d'utiliser cette arme de merde! Oh là, putain! Eh, oh! Ah, scandaleux! Franchement, mauvaise arme, tu recharges, t'avais plus de balles. Enfin, merdé pour un mec qui est. Bon, ici. Ici, je me souviens avoir vu des mecs avec des lance-patates. Non, j'aurais juré que ça pouvait être lui, mais. Ça va être comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Là. Puis alors notre sens de la détection ne nous spot pas les armes, bon ça pourrait être un vif bordel. En fin de. Mais. Par contre ce que je peux faire là. Les balles blindées parce que contrairement au char ici voilà ah. Deux balles a suffi nickel. Les chars c'est plus compliqué hein. Ce qui est assez logique. Mes derniers niveaux, alors un peu déçu, le jeu a crashé et ça réinitialise mon nombre de points. Bon, de toute manière, on... ça n'enlève en rien le truc parce qu'il faut survivre à chacune des vagues, mais pour le score, ça me va un peu chier quoi. Enemy hostiles inbound. Bien derrière le petit muret. Hein. Ah, ça arrive de là-haut. Ça arrive d'un peu partout de là-haut. De zigzaguer tout de suite ça va aller. C'est dommage parce que quand on joue en solo, c'est que les vagues sont très nombreuses, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'on peut pas. On peut être que sur un front en même temps.
le... pas compris, j'en voyais 2, 3 dans la zone et il y en a 6 en fait. Alors après, une fois qu'ils sont... ils savent qu'on est en position de faiblesse, le rush est... est d'une violence extrême. Un peu de... Ah ouais, la quantité de mecs qui sont arrivés ici, j'étais impressionné. C'était pour piéger la zone. Hein. Pas l'avantage qu'on a quand c'est le sniper qui reste, on a le temps de... faire ce qu'il faut, bien propre. Bon, ceux qui repasseront par là vont passer un mauvais moment. Derrière mes murs. Tiens. Ah là ça. Ouais, il y a du renfort qui arrive.
Par contre, là, je trouve que d'un point de vue arme en face, il y a une espèce de démesure. Un peu particulière, je trouve. Ah, tiens, il y a une marche sur. C'est l'explosif, c'est. What the fuck, c'est quoi qui. J'ai l'impression qu'il y a eu un tir en cloche de. Alors j'aime pas ça, et puis y'a un mec qui me contourne sur la. Là. Ah ouais, non, mais c'est abusé. Et franchement, là, je. On est plus du tout dans le même. C'est bien, ils marchent sur les pièges. Mais ils ont été divertis par mon. À gérer déjà compliqué en soi. Alors si en plus ils nous les mecs ils sont tous des RPG, non mais c'est bien, c'est une château. Ouais non mais enfin c'est. Alors par contre c'est là où je retire ce que j'ai dit sur la stratégie du snipe silencieux. Ça peut peut-être avoir un intérêt là pour pas que les LMG et les RPG nous défend joyeusement. Oh là là, puis je vais pas avoir le temps de me préparer correctement. Ah là, c'était violent. Hein. C'était violent. Pas trop mettre. Pourtant au début ça s'est pas trop mal géré, mais il y a eu un moment de débordement qui était waouh. Ah, serrer les pièces très fort pour la dernière vague, 29 en plus. Sur une quantité, je sais pas trop, est-ce que ça arrive par là. Côté, je les vois un peu mieux. Ah voilà, ça commence. Le problème, c'est que la topographie m'aide pas. Puis il se déplace en zigzagant. Ça y est. Ah, par contre, il forme une colonne. Ça arrive violemment par là. C'est quoi ce bruit? Oh là là, il y a une batteuse. Ah, il y a un char, ok. Un char qui m'attaque. Non, reste. Oh non, mais je suis coincé dans la racine. C'est quoi ce merdier? Bon, c'est bon, là, je respire deux secondes. J'avoue, c'est un peu panique à bord.
balles un peu. J'ai plus beaucoup de balles. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il m'attaque moi et pas à ma base. Pour l'instant, je suis pas mal là. Ok. Alors lui qui décide de m'attaquer, mais alors au moment où je tourne la tête quoi. Ouais putain, il m'attaque au... à la grenade. Non mais... Alors le décor qui nous coince... aussi, faut vraiment qu'ils arrêtent. Oh, le flip, j'ai rarement été aussi tendu. Hein. Mais ouais, ces trucs de décor qui nous gênent, c'est horrible. Bon, là, je pense que l'orage est passé. On va faire le plein de tout. Même si ce n'est pas gagné. Est-ce que j'ai plus de... J'ai plus rien, le point positif c'est que j'ai des corps partout. C'est bon, j'ai repris des balles. C'est cool. Même vicieux, hein. Il venait pas vers nous, c'est pendant qu'on fouille que l'IA déclenche le fait qu'il se rapproche de nous. Bon, on a de la vie. RPG. Puis là, je me prends un snipe et hop, c'est la mort. Là où je vais pas mal, c'est quand même il y a beaucoup de choses à ramasser sur les mecs qu'on bute, ça c'est bien. Par contre, ouais, la démesure là sur les deux dernières vagues de cette zone, hein. Faut prendre de risques à s'allier. Hein. Normalement, j'ai du RPG dans le camp de bas, et puis il y en a là. Pas à prendre de risque. Le but c'est pas de le tuer en deux fois. Voilà. Attention qu'il nous tire pas un peu dessus, parce que... Il a le canon rivé sur la base. Attention Fredo quand même. Oui, bah, il va exploser. Hein. Il a le cucu là. Pourquoi c'est par où ? Yes ! Eh bah, c'est fait. Bah, déçu que c'est craché. Au début de cette dernière. Ces derniers postes de contrôle. Alors chose que j'avais pas fait gaffe au début, mais en fait chaque zone a 4 opérations différentes. C'est-à-dire en fait il y a trois lieux de... Il y a trois lieux à visiter, mais à chaque fois qu'on termine une série de ce lieu, en fait on en débloque une deuxième, mais de ce même endroit. Je l'avais pas spécialement vu comme ça au début. Tac tac tac. Mais voilà, on a. L'un des trois lieux, hein, on fait des ratisations avant, là, immobilier de luxe, et en fait, faut aller dans paramètres. Alors, vague de départ, ça c'est pour justement pas avoir à tout recommencer.
notamment dans mon cas de mon crash, ce que j'ai fait. Mais on a différentes opérations, c'est-à-dire que les points de contrôle, on démarre à un endroit différent et on se balade à un autre endroit. Donc en gros, on a trois cartes et à chaque fois, on a quatre séries différentes donc, qui vont nous amener dans des points. Donc ce mode survie a 12 séries, on va dire. 12 séries de 12 vagues. Eh ben sympa, bon ben, on se retrouvera pour découvrir le troisième lieu. Ça sera un vito important dans les Alpes. Voilà.